Mais voilà ce qui arrive quand tu fais pas gaffe, Marcus, t'enregistres pas. Bon, vous allez louper quoi, 3 minutes et quelques, le temps que je me balade et que j'explique ce que j'ai fait. On avait... j'ai échangé celui-ci avec celui-là que j'ai trouvé à l'achat. J'ai équipé ça, ça doit être l'arme violette qu'on a chopé à un moment. Qui semble un peu plus de... Qui fait plus de dégâts, c'est clair. Mais qui a un recul qui... En gros, quand je tire, ça fait ta 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 ta. Donc c'est assez chelou à regarder. Mais bon, à part ça, pas de gros changements. J'ai récupéré la culasse du shotgun ici dans la même zone. Et on va continuer... Ah bah d'accord, ils sont tous au-dessus. Ok, très bien. Hop là. J'avais vu qu'il y avait celui-là là-bas. En faisant le tour de... Tu vois, j'ai cassé ça pour récupérer ce qu'il y avait dedans en me disant que ça allait être dedans, mais non. J'espère que les FPS vont tenir. Parce que tout à l'heure, elle tenait pas, bizarrement, dans le coin. Ok, on est bon. Ah putain. Il y a la petite zone où je peux pas... Faudrait que je me déplace en faisant tout le tour. Ok, vendu. Vendu, vendu. Et ici, rien, on est d'accord. Hein. Parce qu'il m'en manque une dans le tas, finalement. Là-bas. Très bien. Il m'en manque plus. Donc dans l'idéal, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est... Voilà. Et donc il me manque forcément le chargeur du shotgun. Ouais, bah, j'espère qu'il y a beaucoup de balles dans le chargeur. Parce que le mien, il y en a que deux sur l'autre, donc c'est moins intéressant. Comment j'ai pu passer à côté de cet endroit-là en me disant, non, mais c'est normal, hein, dans un jeu vidéo, d'avoir un escalier non naturel comme ça. Ok, on est bon. Le shotgun, c'est fait. Du coup... Est-ce que j'ai besoin d'aller... C'était notre ami. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Non. Je crois que j'ai à New Haven, mais c'est pas vraiment le coin. Ça, c'est où? C'est la zone d'à côté? Non. Chrome's Canyon, c'est par là? Eh bah, go for it. Go for it. Alors du coup, oui, j'ai tué quelques ennemis qui étaient là, quelques petites saloperies qui étaient ici. J'ai ouvert la porte qui était là aussi, parce que c'était ouvert. Du coup, ça a relâché un petit peu de l'eau partout. Mis à part ça, tout va bien. Oh non, oh non, j'ai pas de sniper. Ok. Aïe. C'est bien. Laissez-moi survivre. Laissez-moi. Putain, ça touche pas. Ok. Je sais que ce gun il est précis. Finalement, j'ai trouvé mon sniper. Le souci c'est que je vois pas où est-ce que je suis censé tirer. Aïe. Et qu'apparemment maintenant, pour une raison que j'ignore, ils sont trois. Aïe. Oh, c'est tendu du slibar. Ok, j'en ai une. Il y a plein d'ennemis. Non mais lol, il y en a une autre. Oh, je vais mourir. Ça ne fait aucun sens! Non! Oui! Essayez de régénérer plus vite! Ça ne fait aucun sens! Ça ne fait absolument aucun sens! Il me faut un sniper! Non! J'ai que ça. Dégâts critiques 800%. Ça va peut-être mieux marcher que mon fusil à pompe. On va bien voir. Allez, c'est parti. Go for it. Ça pue des fesses, cette zone. Waouh. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Je fais tellement peu de dégâts que c'est insultant. Je sais même pas ce qui me touche, mais je prends des dégâts. Où est-ce que je suis censé toucher? J'en sais rien du tout.
Oh là 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 là. Oh là là. Comme disait Marcus dans un épisode précédent, j'ai pas besoin de sniper, ça me sert à rien. Hein. Il est con celui-là. Ah, la gêne. Ok. En plus, il y a eu 3 plombes. C'est cool, hein, je peux tuer un max d'ennemis comme ça, hein, mais... Ok. T'aurais pu m'oublier entre-temps, je m'étais dit que... Ouh, j'ai réussi à faire un critique. Je sais pas d'où il sort, le critique. Honnêtement, je n'ai aucune idée d'où il sort. Il n'y avait pas une troisième, j'avais dit, genre là-bas dans le fond. Genre. Ouais. Boum. Voilà, ça c'est fait. C'est ça qui est bon. Tu peux arrêter 2 secondes de me tirer dessus. Genre sérieux. Vas-y, viens. Dis pas ça parce que tu vas voir, je vais te la mettre. Faut pas que j'aspie ces munitions là, on va essayer ça. Vous voyez, elle fait très très mal, mais en termes de précision, il y a mieux. Hein. Y a... C'est même pas qu'il y a mieux, c'est qu'il y a tellement mieux en fait. Ah! Insane cette arme, elle sert à rien. Non, putain, il y a lui là-bas qui me fait tellement peur. Il cède. Pourquoi j'ai fait un build corps à corps aussi, moi? Salut. Un jour j'arriverai à te toucher, t'inquiète pas. Hein. Un jour j'arriverai peut-être à te toucher. Et c'est chaud de dire ça sur un truc qui a la taille d'un gamin. Hein. Lance ton youtubeur ou ton chasseur de l'arche. Pourquoi sur le thème de Pokémon, je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce qui me touche? C'était lui à mon avis. Ok, ça va. Où es-tu? Non, me tire pas dessus. Eh bien. Mais lol. Genre c'est pas sa tête, ça c'est quoi si c'est pas sa tête? Bah là c'était sa tête pour le coup. Bon il y a l'autre qui est arrivé du coup, mais vous vous popez à l'infini ou... Comment ça se passe? Parce que toi j'ai bien l'impression que tu me tires à travers le... Voilà. Hein? Oh lolo. Tellement de loot. Non. De préférence, non. Mais d'où tu sors? Ah. Ah, papa. Ah bah voilà. Ah bah. Ah, le flingue qui touche shot qui est pendant un épisode. Tu veux bien le... Voilà, merci. Oh là 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 là. Incendie à contact, j'ai cru que c'était autre chose. Autant pour moi.
Très bien. Bon, bah, on va en chier. Hein. On va en chier sévèrement. Il y a une caisse d'armes ici. On peut trouver un truc ultra pété de la mort qui tue. Ouais. C'est maintenant que tu me donnes des putains. Celui-là, eh bien. L'autre, pour l'instant, je m'en badigeonne les couilles avec le saint pinceau de l'indifférence. Bon, c'était pas dur. C'est faux. C'est entièrement faux. On en a pas chié du tout sur ce premier truc. D'où ? Non mais ! Esquive la balle ! Désingue les ailes des mouches. Comme dirait l'autre. Putain ! Pourquoi vous me... D'accord. Des bétons. Laissez béton. D'où ? Vous avez vu, ça a tiré ! Je vise là, ça tire là ! Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Ah non hein. Ah il veut pas hein. Et ce truc là ça a combien en précision ? 88 ? Allez fais péter papa. Voilà, ça c'est efficace. C'est une arme pour l'achat du jeu, quoi, qui est plus efficace. C'est vraiment pété, hein. Pay to win. Pay to win, ce jeu. J'y crois pas. Ok, très bien, fais péter. Genre. Ok, très bien. On va quand même se faire une petite, petite récap. Ce truc là il est au fond à droite, forcément j'aurai les trucs au fond à gauche. Ce truc là il est au fond là. Et Earl à l'écro c'était là, oui d'accord ok. Et c'est celui-là que j'ai pas vu. Ouais forcément. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon bah on sait quoi faire maintenant, on va se balader un petit peu dans ce niveau. Ce menu ça ne va plus. C'est un niveau à snipers. Je n'ai pas de snipouze potable hormis le snipouze niveau 0. Mais c'est comme ça. Les autres, on va les renommer les snipebooze. Les snipebooze, du coup. Mais ce n'est pas grave. Pâté pour skag en conserve. Écoute, j'imagine donc qu'il y aura des skags dans le coin. Ils ont senti l'odeur de la bonne grosse pâtée. C'est pas des skags, mais écoute, je prends quand même. Ah! Ah, il remonte à loin le moment où je pouvais two-shot les ennemis avec ces deux guns, hein. Nom de Dieu. Ma reine, si vous voulez bien accepter votre... Hein, pour décès. Ah, finalement, elle est bien. Non, mais sérieusement, décède. Ok, c'est bon. C'est quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser au fur et à mesure, sauf pour les boss. Je vais tout ramasser sinon, et on verra bien. Allez, voilà. J'ai pas été voir les marchands pour avoir les meilleurs. Merde, il est mort. Fais chier. Ce gaspillage. Plus! Donnez-moi plus, il est trop loin! Non! Oh non! Ouf! Je suis pas ultra loin! Autant pour moi, j'étais quand même vachement loin pour eux. De genre. Ouais, c'est pas.
du 360. Techniquement, le truc était mieux. Hein. Et mieux que ça. Techniquement. Allez, voyons fou. Cool, un point de repère des fois que je meurs. On sait jamais, ça peut arriver. Non. Bon. Oh, j'espère que ça n'a pas gaspillé mon... Ça l'a gaspillé. Ok, elle est pas mal cette arme. Par contre, pourquoi j'ai l'impression d'être ultra rapide d'un coup là? On est d'accord, hein? Ou c'est l'adrénaline qui me fait ressentir ça, mais... Ça m'étonne. Non. M'en douter. M'en douter. Ok. Très bien. Ok, on continue. On est bon, donc autant continuer. Non ! J'ai pris le point de raise, plus de bol. Ah bah là ça touche hein, bizarrement. Là aussi hein. C'est chelou hein. Quand même hein. Ça veut pas, quand ça veut pas, comment dire. Oh nom de Dieu. Ah, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Je connais le principe. Très bien. Il va me manquer de la bouffe. Comment suis-je censé grimper là-haut? Ok. J'ai même pas l'impression d'être dans la même zone quoi, tellement c'est différent. D'un coup, je sais pas pourquoi. Ok, ce serait pas ça. Ah, ok. Que les... Quoi? Mais je suis pas de la chiure de Skag. Ça ne va pas. Ok. Faut que je mette ça pour pouvoir être sûr de récupérer tous les trucs qu'il y a sur le chemin quand même. Je sais où est le... la pièce. Donc je peux maintenant aller la chercher sans trop de soucis. Normalement. Hypothétiquement. Ok. Ok, j'arrive pas à y aller. J'avance. C'est bon. En headshot, il fait toujours aussi mal. J'allais dire pas de gaspillage, mais en fait, on est dans Borderlands. Non, mais il y a un truc ici. C'est chelou. Oh, toi aussi c'était chelou. On est plein la face, par contre, à avoir regardé comme ça. J'arrive pas à te tuer toi. Les autres j'y arrive mais toi j'ai du mal. Ça m'énerve, ils ont un vrai système de couverture et pas nous. Voilà. Ouh, sniper niveau 2, cool. Et quoi ça? Ah ouais, shotgun. Là il y avait de la bouffe pour notre ami Earl. Ok, très bien. Elle est pas mal cette arme aussi. À très courte portée, mais elle est pas mal. Faut vraiment courir sur les ennemis, mais elle est pas mal. La bonne pâtée.
C'est la pâté de canigou. Ok. Alors. Et sans les tuer, hein. Calmez-vous. Ha! Donc là, je pense que l'objectif. Voilà. Oui! On est trop fort! On est trop fort! On est trop fort! F-A-U-R-E! Wouh! Mais techniquement, elle est pas mieux que la mienne. Parce que la mienne a 10 de cadence de tir. Par contre, elle fait beaucoup plus de dégâts élémentaux, quoi. Je l'équipe. Elle va faire moins de dégâts, mais elle fait des dégâts élémentaux, ce qui peut être pratique contre les boucliers et autres conneries comme ça. Hein ? Mes cerveaux commandent une crise. Hop là. Cucu ! Donne à papa le kit de stockage. Oui ! Très bien, la suite. Ouh. Cette zone étendue du slip. Dans ma tête. Ouais, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on en rencontre un, mais normalement, à chaque fois qu'on en rencontre un, il nous emmène vers une caisse. C'est trop gros. Niveau 28. Je suis sur le cul. Bref, là n'est pas la question. Mais ça... Quand il a dit par ici, je me suis dit, eh mais, au fait, Marcus. Et du coup, c'est comme ça que j'y ai repensé. What? C'est quoi, notre quatrième, bellement, hein? On est d'accord, hein? Ok, très bien, c'est cool. Cool. Et du coup, oui, on a fini. Alors, il y a un mec juste devant nous, hein, mais il nous a pas vu, parce que voilà, il est un peu... Ok, très bien. Non mais je vais pas mourir. Oh la punition. Des fois je me demande si ce jeu c'est pas une purge à la base. J'ai vraiment du mal à m'y remettre exprès pour cette sensation, hein. Sensation de ne pouvoir rien faire parce que quand tu tires sur l'ennemi, la moitié de tes balles vont ailleurs. Non mais... Voilà. En vrai, Marcus, c'est ça l'astuce, hein. T'as un build de corps à corps, pourquoi tu vas pas plus souvent en corps à corps? Non mais c'est vrai, je suis moitié con aussi, hein. À moitié con, c'est tout est relatif, hein. Je suis plus qu'à moitié con, mais... ok, on est là, mais je sais plus ce qu'il y a par là. Ouais, voilà, il y a bien ça aussi, hein. Chopé. Ok, très bien. Mais ouais, je suis à moitié con. Juste à moitié con, faut le dire, hein. Oh merde! Et là, tu fais comment quand t'as plus ton bonus, Marcus? Plus bonus, putain. Lag. Le temps que je dégaine, toi. Et merde. Honnêtement, j'y croyais pas. Hein. Honnêtement. Non, mais LOL! Ça m'étonne pas. Ah bah moi, ça m'étonne de l'avoir eu, hein, franchement. Y'en a qu'on pop, qui sont pas dans le fight. LOL. Tu vas saigner. Bon, là c'était... C'était moi. Elle était pour moi celle-là. Ok, très bien. Non mais... Sinon tu... Fusil de précision. Voilà.
Voilà, merci. Eh ben dis donc. Ce qu'il faut pas faire. Nom de Zeus. Bon, c'est pour redescendre et revenir au début du niveau, hein, mais bah les couilles. Je prends la l'arme. Ou les armes. Ok, est-ce que t'es mieux que la mienne? Non, c'est de la merde, donc. Officiellement, on peut le dire. Ça, pour l'instant, j'en ai ultra besoin. Ça aussi, ça, je l'utilise pratiquement pas. Et apparemment, ce shotgun fait plus de dégâts. Donc, on est parti. Très bien. Un sadique. Tu vas permettre de tester mon arme. Allez, viens. Non, mais pourquoi tu recules? T'es un personnage de corps à corps. Pourquoi tu recules? Ah, oh, c'était dégueulasse. Très bien. Je m'en doutais. Décède. Ah bah le v'là. On dirait un petit peu Mordecai. Non mais... Comment te dire? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Le fil du rasoir. Bah écoute, je le sens bien ton fil du rasoir, donc je vais l'équiper. Faut juste que je... Hein? Que je vire du caca. Que Dieu sait que le caca j'en ai. Et je vais même l'équiper à côté de celui-là pour voir s'il est mieux, parce qu'apparemment il fait plus de dégâts. Hein. Il a pas le bonus de la mort qui... Ok. Eh bien, il m'en manque une. Merci beaucoup. Ok. Ouh. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on est dans cette région, j'en chie déjà. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Le jeu se moque de nous. Les ennemis s'amènent et moi, pauvre pouilleux. Ils me jettent, ils me découpent en deux. Pas mal. Et dans les merdes des Skag. Quel magique univers. Mais... Et dans cette chiatique atmosphère. Ça sent mauvais dans l'air. Okay. C'est bien de planquer des trucs dessous, hein, mais... Planquer des trucs utiles la prochaine fois. Salut. Il manque des trucs bien à vendre. Ça coûte combien? Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà plus de pognon. 60 000! Ah, c'est cool! En fait, j'ai déjà plus de pognon. Il y avait sûrement des trucs bien là-dedans, hein, mais... Ah oui, il y a ça aussi. Et aussi, j'ai vu un truc qui avait une lame, donc ça m'a intéressé, mais c'est pas celui-là. Non, il y avait pas d'autres trucs avec une lame. Très bien, alors. G, pour comparer, non? Comparer. Ok. Ok, cool. Ah, mais celui-là, il fait 180 de dégâts en critique. Mais lui, il fait 40% de dégâts en plus. Mais il a que 3 balles dans le champ. On va essayer les deux, c'est pas grave. En plus, il est beau en blanc. J'ai combien en pognon? 81 000. On peut s'acheter une munition en plus. Un plus gros boom. Achetez un meilleur mode. J'en ai de toutes les tailles. 160. 140. C'est bon, je les ai. 600. Je les ai. Pff, m'intéresse pas. Grenade à 7, c'est intéressant. J'ai pris les grenades à 7. Ok. Let's go, go, go! C'est quoi ce viseur? Bon, c'est efficace. Non, j'ai rien dit. Non mais LOL!
C'est pas sa tête qui est touchée. C'est sa tête qui est touchée. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il est pas forcément plus précis. C'est quoi que j'ai... Comment j'ai pu toucher le truc qui était là? Je comprends pas, hein. Je comprends absolument pas le système de visée du jeu, hein. C'est normal qu'on ait des armes aussi peu précises ou c'est que moi? C'est ça le truc, c'est... Et du coup, y a limite autant de chance dans le loot que dans le fait de tuer un ennemi, quoi. Ou presque. Ok, ça c'est efficace à très très courte distance. Et encore. Arrête! Ok, l'autre il est au-dessus. Voilà, elles vont aller le chercher un petit peu. Ils sont deux au moins. Et bien sûr, elles sont allées chercher des ennemis qui étaient même pas là. Ok, très bien. Parti! Au suivant. J'ai plus assez de distance pour... Ah. Non mais lol. Ok, celui-là est passé. Celui-là aussi. Ah c'est vrai, j'ai que 3 balles. En fait, c'est ça qu'il faut que je regarde. Si j'ai 90 de précision ou plus. C'est ça qu'il faut que je regarde entre les deux snipers. J'ai 95 de précision là-dessus. Et l'autre 93. Ah bah écoute, on va essayer celui-là. Oh là 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 là. C'est quand même terrible. Je l'ai vu m'arriver dans le nez, celle-là au moins. Mais c'est quoi ce truc? Je rêve. Où les balles se sé... Mais pourquoi j'arrive pas à... Ok. Salut. Ah je craque, hein, tant pis. Hein. Non mais t'es sérieux? Tu viens de te bouffer une roquette dans le nez, bonhomme. Une motherfucking roquette. Très bien, tombé. Écoute, j'ai bien vu, t'avais pas envie de... De jouer avec moi. Bon sang, je suis bon. Ok. C'est ça l'effet, non? C'est son gun. Non, ça doit être son gun, ça. Voilà. Bon, bah là, il a été efficace. Donc, il y a vraiment une porte. En fait, la portée des snipers est intéressante parce qu'en fait, elle te permet de tirer normalement. Tout en étant hors de portée des tirs ennemis. Sauf qu'avec, dans ce jeu, avec les snipers, faut que tu sois à portée des tirs ennemis pour pouvoir tirer au sniper. Ça peut paraître chelou. Je me comprends. Je sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez, dites-le dans les commentaires. Hop, si tu veux, donne-moi le fusil à pompe. Le peupon. Le fusil à peupon. Le zifu à peupon. Cinématique. Chrome. Bon, alors, on va rester là, hein. On va rester exactement là où j'ai dit que je fallait pas que je reste, c'est-à-dire hors de portée de tir des ennemis, parce que... Bon, il y a bien un ennemi ou deux dans le coin, non? Ok, mais encore?
j'ai plus que ça. Si ça touche. Apparemment, ça n'a pas touché. Oh bah. Et je cours, je me raccroche à plus rien, hein. Me saoule moi-même avec mon DPS. C'est rapide. Et j'utilise mon ult, hein, qui est censé me rendre plus tanky qu'un tank. Ah oui, normal, il y a ça. Oui, je confirme. Oh là 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 là. Couverture. Oh putain. Tout va bien. Tout va parfaitement bien dans le meilleur des mondes. Comment je vais faire? Ouh, elle se l'est prise. Ah, je me suis prise aussi. Avis de recherche Chrome. Très bien, apparemment je l'ai eu. Pause, hein. Pause. Ok. Question. Où sont mes ennemis? Question importante. Support machine gun. Ça pourrait être intéressant, mais apparemment non. Très bien. D'accord, ok, toi je t'ai vu. Moi je t'ai perdu, mais... Sur quoi tu courais d'ailleurs? Ah, pardon, apparemment j'ai pas tiré dans ta tête. C'est une situation qui me gonfle en vrai. Parce que ça, je suis désolé, c'est... Enfin... Non, sérieusement, ça me dépite. En plus, la souris fait des choses ultra cheloues. Ah, la souris. Vous voyez, ça par exemple, ça c'est... Et ça dure 3 heures. Bonjour. Je vais mourir. Donc frappe-moi. Merci. Tu vas mourir. Ok, donc la seule façon que j'ai d'avancer, c'est d'avancer en courant et en priant pour que je ne meure pas. Ce qui est une situation que je connais par cœur en vrai. Vu que j'ai pas tombé de fusil de merde. Pas de... Oui, de fusil aussi, mais... Là, je vais courir avec ça. Et j'ai pas peur, hein. Je suis juste un petit peu dépité de pas pouvoir vous tirer à distance avec un sniper. Même quand j'en ai un, quoi. C'est plus de l'écœurement que de la peur, on va dire. Ta gueule, le brutal. Voilà. Le brutal qui m'a lâché deux violets. Il faudra donc que je teste. Je doutais bien que ça ne toucherait pas. Pas la bonne arme, ça pourrait être pas mal. Allez, vendu. On y va! C'est parti, ils sont au moins deux. Ok, on est les meilleurs du monde. On a réussi une zone à sniper sans pratiquement utiliser de sniper efficace. Donc c'est assez cool. C'est assez pratique. C'est même pas si mal. Désolé pour le claptrap. La clé est à moi. Ça. Je te surveillais à chaque instant. Sois prudent. D'autres entrevoient une occasion de servir leurs propres intérêts. Sans doute pété ça. En vrai. Mais en vrai, j'ai géré avec mon lance-roquette. Hein. Ok, cool. C'est mieux. C'est une arme de boss, hein. Et une arme violette, hein. Mais mis à part ça, tout va bien.
Merde. Ah. Voilà, comme ça on est rempli d'armes un peu mieux. Pouf. Oh là 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 là, l'attention. Et moi je vais vous laisser là, je vais pas vous refaire toute la route en entier, hein. Je vous laisse là pour cet épisode et je vous retrouve dans le prochain pour la suite de nos aventures. Salut les gens et yo!